70. Si tu as c'est seul professeur anglais, l'État a été médaillé en or et en argent à toute l'école OEA pendant l'archive nationale d'Haïti, t'as fait en 2012. Et c'est l'ICO original là. You know what I'm saying, baby? I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord. Tout pays d'A. Leslie English Academy, la référence de l'anglais parlé en Haïti. Niveau d'anglais national et international, doté de la méthode d'anglais américain et britannique la plus pratique pour commencer à parler anglais dès le tout premier jour de classe. Vous voulez devenir maître de cérémonie, animateur et présentateur de radio-télé, publiciste et publicitaire, phonéticien et phonologue, professeur d'anglais à tous les niveaux, interprète et traducteur, sélectionné OEA. La sélection la plus intelligente du moment et pour toujours, dirigée par Teach Olesti, docteur en phonétique anglaise qui se passe de présentation en Haïti. Dans OEA, Teach Olesti pas prend blanc pour parler anglais pour lui. C'est lui blanc tête lui. Parce que le connaît un directeur à l'école anglaise, doit être capable de parler et enseigner anglais correctement. Teach Olesti trompe même blanc américain dans la langue anglaise qui c'est propre langue. On font titan d'elle pour nous voir si c'est menti. Teach, prove it. I'm sorry, ma'am. Prove the Haitian population what I'm saying, please. No problem. Oh yeah, all these English academies are spoken English reference in Haiti. Number 4 Avenue, Martin Luther King, Delma, 28B Delma, at a few steps from the viaduct of the Upper Crossroads, and I'm on the wrong side of teaching English 20 experience for well, and guarantee speak English your money back. Il dit, pas de problème. OEA, c'est référence anglais parlé en Haïti, qui chita quoi, le numéro 4, Avenue Martin Luther King, Delma 28B, tout près où t'en l'air dans Kafoua ou quoi. Et il dit, il y a plus que 20 ans depuis l'a enseigné anglais et garanti li bay nan OEA depuis ou pas parler anglais, la promet tout tout comme ou te bay là à tout comme déplacement yo. Contact 34 99 70 70 34 99 70 70. Teacherless English time once fresh in your house. At this time, unfortunately, we're very late today. Of course, it's very late because it's kind of a show. So it's by now 3:08. So it's 3:08, unfortunately. So anyway, I apologize to you, and I apologize to the special fans, the unconditional fans of Teacherless English time. Of course, the viewers and the listeners. Okay, so nous excusez-nous, on s'excuse en majuscule hein, auprès de vous. Donc pour ce petit retard. Donc on va dire un grand retard, son petit retard. Parce que n'a fait quand même tout ça n'est pour nous faire qu'on est formé préparé. Donc c'est dans préparation hein, et, qui fait ça. Donc c'est des petits préparatifs qui m'ont dit en pile concentration. So, m'espérer n'a pas comprendre. N'a pas comprendre et puis nous n'a pas donné frère nous hein serviteur nous teacher ici votre prof d'anglais préféré comme d'habitude on allait rapidement sans s'arrêter comme d'habitude nous toujours commencer avec yon MT yon pensée morale MT. Nous songez MT signifie moral thought pour moi qui fait brancher MT moral thought. Moral thought. Donc, moral thought, la pensée morale signifie pensée morale en français. Donc, la pensée morale pour aujourd'hui, nous trouvons là, ça se trouve dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 14. Qui ça le dit? Jean, chapitre 1, verset 14, ça a un enchaînement entre. Alors, ça n'a pas aujourd'hui à là, Jean, chapitre 1, verset 14, avec. Et dernièrement, nous t'avons, ça nous t'avons dernièrement dans Acte 2:38. Et puis, Jean nous t'avons avant ça, Matthieu 28:19. Donc, nous t'avons, nous toujours dans le sens trinitaire là. Donc, Matthieu, alors, pour aujourd'hui, c'est Jean 11. Alors, Jean chapitre 1 au verset 14, ok? Donc, en anglais d'abord, comme d'habitude, c'est John chapter 1 verse 14. John chapter 1 verse 14. The word became flesh
and lived among us. We saw his glory, such glory as of the one and only Son of the Father, full of grace and truth. Je reprends. John chapter 1, verse 14. So let me say it again. I'm starting over. Je recommence. The Word became flesh and lived among us. We saw his glory, such glory as of the one and only Son of the Father, full of grace and truth. Mais, à vrai dire, c'est comme si c'est une parole en game d'abdi. Actually, à vrai dire, en toute sincérité, c'est la première partie. Hein, c'est la toute première partie qui m'intéresse jusqu'à la virgule. OK? Donc, une dernière fois, John chapter 1, verse 14. The Word became flesh and lived among us. We saw his glory, such glory as of the one and only Son of the Father, full of grace and truth. Donc, en français, ça signifie quoi? Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Je reprends en français, Jean chapitre 1 au verset 14, dit quoi? Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La toute dernière fois. Et la parole, Jean chapitre 1 au verset 14, dit quoi? Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça signifie quoi? Donc, je nous ai dit l'avant hier. Dans Matthieu, t'a dit, nous t'a dit, Jésus t'a dit, disciples, allez partout dans le monde, faites des disciples, les baptisez au nom du, allez partout dans le monde et faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. OK? Donc, dans Actes 2, 38, laisse noter au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit au singulier. Ça veut dire, pas gain trois dieux, son seul dieu gain. Donc, Père n'a pas un dieu pour quoi? Fils n'a pas un dieu pour quoi? Saint-Esprit n'a pas un dieu pour quoi? Donc, son seul dieu. Et affaire dit Dieu en trois personnes, ce n'est pas vrai. Donc, c'est qu'on y a nous ça. Mais verset qui dit ça, dans Jean chapitre 1, verset 14, il dit, et la parole a été faite chair. Ça veut dire, d'après parole, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Parole là, c'est qui s'allie? C'est Jésus. C'est exactement Jésus. La parole a été faite chair. Jésus, c'est lui-même qui était c'est de lui à parler là, qui vient passer de esprit à chair. Ça veut dire, même j'avoue. Parce qu'on esprit pas kawel. C'est ça qui fait de l'esprit. Donc, on ne voit pas l'esprit, mais on sent l'esprit. On ne voit pas l'esprit, mais on sent la présence de l'esprit. Donc, maintenant, il passait de esprit à chair, même j'avais, moi-même, avant qu'à parler là. Donc, la parole a été faite chair, hein, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, etc. Donc, ça veut dire, c'est exactement le passage ça qu'il faut qu'on ait. Les abdis, Dieu en trois personnes, non? Pas de sens, Pigano dit ça. OK? Donc, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, teacher this English time, si nous te dit ça, pas dit ça encore. Moi-même, je ne connais pas, je te dit ça tout, mais pas dit encore. Pas de faire Dieu en trois personnes. Ça n'existe pas. Aucun côté, ça n'a pas existé. Il n'a pas aucun sens. Donc, Dieu en trois personnes, c'est comme tu as dit. Si c'est Dieu en trois personnes, ça veut dire Dieu le Père, j'ai encore dit, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça fait trois dieux. Il n'y a pas de sens. Donc, Dieu en trois personnes, encore, l'ordre de Trinité, c'est Dieu en trois personnes. Là encore, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas trois personnes. Si il y a trois personnes, c'est trois dieux. Donc, il n'y a pas de sens. Donc, c'est Dieu en une seule personne. OK? Dieu en une seule personne. Pas de deux dieux, pas de trois dieux. Son seul dieu gagne. Même Dieu qui perd là, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit. Donc, maintenant, ça, son parabole. Généralement, la Bible est symbolique et parabolique. Donc, son parabole, hein, son leçon, hein,
son leçon, son sorte de leçon lié, son pédagogue lié, son apprentissage lié. Donc c'est simple, c'est très clair pour comprendre ça. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, pas jamais dit ça encore. Dieu en trois personnes, pas dit ça, c'est Dieu en une seule personne. Qui est cette seule personne là? Jésus dans Jean chapitre 1 au verset 14. Donc c'est lui-même qui personne là. Il te fait chair, il fait le monde même Jean, moi même avoir. Donc ça fait qu'on y a là nous même moi et alors Dieu même Jean avec nous. Et il y a monde qui qu'on a dit 100% homme, 100% Dieu, puis gars nous dit ça tout, ça n'existe pas. Moi même tout me qu'on dit, pas de connaître, pas de connaître. Dieu là dans ce cas il vient 50% homme, 50% Dieu. Il pas qu'à 100% homme. OK? Donc c'est pour papa Jean nous connaît, nous connaît. Donc il pas grand père biologique, ça n'existe pas. OK? Il pas grand père biologique. Donc il pas 100% homme, 100% Dieu. 50% homme, 50% Dieu. Jean 1, 14 qui fait me dit ça. OK? La parole a été faite chair. Donc là, dit parole. Parole dans la Bible, c'est synonyme Jésus. OK? C'est synonyme Jésus, c'est synonyme Dieu. Parce que Jésus est Dieu. Qui bon fait me dit ça? Eh bien, dans Matthieu, elle dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire paraboliquement, ou un nom au singulier, ça veut dire même Père, là, même Fils, là, même Saint-Esprit, son seul monde. OK? Donc, c'est seulement une révélation pour moi de bon Dieu, l'appel la Bible là pour comprendre. Pas la Bible pour comprendre français, parce que c'est Saint-Esprit qui écrit la Bible, il est seulement qu'à faire comprendre. OK? Donc, c'est ça, nous avons pour nous aujourd'hui là. Nous sentons qu'on y a là, pas qu'il y a fait Trinité. Là. Donc, là, affaire dit Trinité, qui est Trinité seulement? C'est seulement parabole là, qui est trinitaire. OK, parabole là trinitaire. Qui ça parabole là? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. OK? Donc au fur et à mesure m'a venu avec l'autre verset pour nous voir que même Dieu ça c'est lui qui Père, c'est lui qui Fils, OK? C'est lui même qui Saint-Esprit à tout. OK? Donc il est clair tout, il nous te voit ça dans Jean chapitre 1, dans même chapitre 1 ça, verset 1. Qui ça lui dit? Au commencement était la parole avec P majuscule. Ça veut dire, tandis bien, au commencement était la parole. La parole, c'est qui ça? C'est Dieu. C'est Jésus. Tandis bien, la parole était avec Dieu. La parole, même pas parole, la commencement, ça veut dire Dieu. Au commencement était la parole, mais c'est Dieu. La parole était avec Dieu. Ça, c'est un jeu de mots. C'est même Dieu à toujours. Et la parole était Dieu, pour le terminer. Et la parole était Dieu. Donc, là, pas gain à sortir de là, il est clair. Donc si vous manquez comprendre ni de prier pour qu'a bien saisir ça sens Jean 1 verset 1. Alors monde qui cap dit Jésus tant que bon grand pile faux prophète dehors moi même temps pile faux prophète même dans la rue qui monte radio monte télévision cap dit Jésus c'est homme même Jean avec nous il connait souffrir même Jean avec nous il peur il connait peur même Jean avec nous il courir pour monde même Jean avec nous etc. Donc ça c'est faux prophète il dans Bible là il dans Apocalypse 13 verset 15 allez ou après ça ou après le parle de et faux prophète. Donc c'est dans monde invisible ténèbres là qui vient ça relé Trinité. OK? Donc Trinité a allez dans Apocalypse 13 15 et la donne ou joine faux prophète là qui c'est deuxième personne dans Trinité. A. OK? Donc attention à faux prophète qui vient dehors. Pas attendre toute radio, pas suivre toute télévision. Suivre seulement Radio Télésom. Mettez radio sous 106.5 seulement. Chaîne de télévision, pas attendre l'autre, pas suivre l'autre. Et puis nous fini. Point final. C'était aux États-Unis, je me suis dit period. OK? Mais classiquement, je me suis dit period it is. OK? Mais couramment, je me suis dit period. OK? Fini. Maintenant, on a commencé, je dis à nous pour aller rapidement. On a pour. Ça c'est la leçon 22. Leçon 22, c'est l'in après, je dis à. Qui parlait de qui ça? Nous pour aller voir ensemble comment ou qu'a traduit. On en anglais. Donc, le titre de cette leçon, de la leçon 22, c'est The English for on. En français, on dit on. The English for on, O-N. OK? Ça se traduit en anglais par qui ça? Eh bien, très simplement, ça donne beaucoup de problèmes. Hein? En plus, le monde a des problèmes à ça. En français, ou quand on dit on, nous connaît en français, on dit on. Et en français, on, synonyme on, c'est oui. I'm sorry. Ouais, on même dit oui. Donc, nous comprenons, le monde qui parle anglais. Nous commençons fort déjà, nous comprenons ça. Elle dit, vous chachapez. Elle dit oui, mais c'est oui, c'est anglais. Synonyme on en français, c'est
nous, N-O-U-S, qui traduit oui, monsieur troublé là-dedans, là, en anglais, ou dit oui, mais en français, ou dit nous. Donc en français, synonyme on, c'est nous. Ok? Synonyme on, c'est nous. Donc, en aller. On, pour traduire on en anglais. On, nature grammaticale li, en français. Et en anglais, nature grammaticale on, c'est qui s'allie en grammaire, comment dire, est-ce que son adjectif ou un article, un nom, etc., ou bien un substantif, etc., un article, qui un adverbe, qui ça on en grammaire, qui nature grammaticale. Eh bien, on, y aurait ça pronom, son pronom, oui, mais il n'est pas pronom personnel, ils sont pronom impersonnel. Donc en français, en français, on dit pronom impersonnel ou pronom indéfini. Pronom impersonnel ou bien pronom indéfini. Comment dit-on ça en anglais? On dit indefinite pronoun ou bien impersonal pronoun. Indefinite pronoun ou bien impersonal pronoun. C'est comme ça qu'on dit en anglais. So, on en français, how do we translate, how can you translate on, the word, the French word on into English? Okay, so how do you say on in English? How do you say the word on? The French word on in English. So what's the English for the French word on? Donc comment peut-on traduire le pronom impersonnel ou le pronom indéfini en anglais? Donc on en anglais, premièrement, il est beaucoup plus vaste que par français. Donc un peu, fois malheureusement, on a d'un peu mon abdi français, grammaire française plus vaste, plus élastique que grammaire anglaise, mes amis, mon n'a pas connait, donc l'on pas connait, pas connait bagay, pas parler, pas dire, OK? Donc ça va dépendre de point grammatical là, ça n'existe pas. Un bon exemple bien simple là, mais on en français me dit on, si m'a dit on me dit oui. Ah, si m'a dit on me dit non en français. Mais en anglais, il est beaucoup plus vaste. En aller, qu'on y a là, pas dépendre du contexte là. En anglais. Eh bien, en anglais, on traduit par, premièrement, notez, premièrement, on traduit par one. Là, on compte 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il traduit par one. O-N-E. On, en anglais, premièrement, traduit par one. Contexte. Qui le on traduit par one en anglais? Eh bien, traduit par one, c'est le. Par exemple, c'est surtout dans les expressions proverbiales. Dans les expressions proverbiales ou bien dans les proverbes, les maximes, les dictons, etc. Exemple. Si, par exemple, nous voulons dire « One learns to speak by speaking. » « One learns to speak by speaking. » « One learns to speak by speaking. » On apprend à parler en parlant. « One learns to speak by speaking. » On apprend à parler en parlant. Donc, en art culinaire, ça signifie l'appétit vient en mangeant. OK? Donc, maintenant, quand on dit one learns to speak by speaking, on apprend à parler en parlant, ouais? On apprend à parler en parlant. One learns to speak by speaking. Un autre exemple. One man can do it all. One man can do it all. Ça signifie quoi? One man can do it all signifie deux avis valent mieux qu'un. En créole, yon seul doit pas manger qu'à la loue. OK. OK, maintenant, on a un exemple avec one. One learns at any age. One learns at any age. One learns at all ages. One learns at all ages. On apprend à tout âge. Donc ça, c'est une expression proverbiale. Maintenant, nous allons aller deuxième. Ça, c'est première façon où traduit on en anglais, c'est one. Deuxième façon où traduit on en anglais, c'est oui. Oui. W-E. C'est lui-même qui t'a trompé, m'a allé en français. Pour me dire nous, me dit oui. Donc c'est oui, W-E, qui c'est première, qui sont pronoms personnels, hein, première personne. Du pluriel en grammaire. Donc, l'on traduit on, pour nos personnels, l'on traduit par oui. Qu'on y a là, il dépend de contexte, so abdia. Exemple. So abdia un bagay, et so abdia ou fait partie de li. Le ça, ou traduit par oui. Depuis qu'on ensemble, ou n'ensemble là, c'est oui. Exemple.
En Haïti, on parle créole et français. En Haïti, on parle créole et français. Eh bien, on ça en anglais la traduit par oui, raison. Parce que moun kap pale a, moi-même, titre lesse kap pale a, m'son haïtien. Mais si son américain kap pale, il patap jam di oui, parce que il pas haïtien. Donc, comme son haïtien kap pale, m'son haïtien et m'a pale d'Haïti, moi di pays m'nan kre l'Haïti a, nan pays m'nan kre l'Haïti a, hein, nous parler ou bien yo parler créole et français. Donc, l'ordine on en français, synonyme c'est nous en français. Et en créole, c'est comme je te dis yo. Ou bien nous tout. OK? Donc c'est ça exactement. En Haïti, on parle français et créole, mais en anglais, on dit in Haiti, we speak Creole and French. Ou bien we speak Creole and French in Haiti. We speak Creole and French in Haiti. We speak Creole and French in Haiti. Ça signifie quoi? On parle français, on parle créole et français en Haïti. En Haïti, on parle créole et français, OK? Donc ça c'est deuxième façon traduit on en anglais. Troisième façon traduit on en anglais, c'est you. Y-O-U, qui c'est deuxième, à la fois deuxième personne du singulier, hein, comme pronom personnel sujet, deuxième personne du singulier et deuxième personne du pluriel, dépendamment du contexte. La signifie tu ou bien vous, eh bien, dans pronom indéfini, dépendamment du contexte à tout, et on ça a traduit par you. Y-O-U. Exemple, ça, c'est surtout. Les m'a bay un moun yon conseil, surtout les m'a bay yon conseil, yon suggestion, le sal traduit par you. OK, même les pata conseil suggestion. OK, so les m'a bay moun nan, m'a bay moun nan comme si yon par exemple m'a passé donc commande on l'ordre etc etc, mais généralement c'est l'ordre bay un conseil, une suggestion employé on a traduit par you. Exemple, si m'a dit on doit vénérer Dieu. On doit vénérer Dieu. En même temps, dit you ought to venerate God. On doit vénérer Dieu. Manque dit avec un accent anglais. You ought to respect God. You ought to venerate God. You ought to venerate God. You ought to respect God. Donc, on doit vénérer, on doit respecter Dieu. OK? Donc, laisse ça traduit par you, son conseil m'a mouna. OK? Maintenant, ça fait trois. On, oui, you. Quatrième façon de traduire on en anglais, c'est they. T-H-E-Y. They, qui c'est pronom personnel, sujet, troisième personne du pluriel. Couramment, c'est ça lié. OK, ça c'est sens régulier. Qu'on y a un sens irrégulier, particulier, exceptionnel. Donc on traduit en anglais tout par they, T-H-E-Y. They, T-H-E-U-Y. Que tiré de la lettre U en grec, dans la langue grecque. Notez dit ça déjà là. En grec, c'est deux façons, c'est même genre français. C'est deux façons, il fait U. Gon façon fait U minuscule là, on l'autre façon fait U majuscule là. Donc j'ai fait U majuscule en grec là. L'op dit U en grec, on dit upsilon, upsilon, upsilon. Donc minuscule là va fait même j'ai majuscule là. Majuscule là fait exactement j'en ouais ou former lettre Y là en français. C'est ça qui fait le U grec. Donc c'est pas I grec, mais c'est U grec comme dans Odesti. Donc c'est parce que l'un homme qui fait mal chercher ouais comment on dit, parce que avant t'es linguiste, en pile forme des condamnés mon ami dit Y et des mon qui te dit Y. Bon Y là pas bon du tout lui-même. Y ça va bon du tout bon. Peut-être on dit ça son créole drôle. On comprend son déformation en créole. Donc c'est pas Y, donc c'est I, c'est pas Y non plus. Parce que mon qui te dit c'est pas Y, c'est Y, non c'est U grec. U grec. OK. Comme dans Olesty, O L E S T Y. Donc c'est comme ça nom appelé O L E S T Y. Donc maintenant troisième façon et quatrième façon où il traduit nous gétant ouais on pour contexte on oui you qu'on y a nous parle là V T H Y. OK, quatrième façon il traduit on. Eh bien là c'est là parler de on ensemble mais ou pas fait partie de lui. Donc c'est comme si me dit c'est contraire oui. Exemple, aux États-Unis, on parle anglais. Ou bien, on parle anglais aux États-Unis. OK? On parle anglais aux États-Unis. Eh bien, en anglais, m'a dit,
they speak English in the States. In the States, they speak English. In the United States of America, they speak English. They speak English in America. They speak English in the States. They speak English in America. They speak English in USA. They speak English in the US. Donc, c'est de toute façon, ça aux États-Unis, ok? So, they speak English in America. They speak English in America. Mais aux États-Unis, couramment, ils ont plus dit America. Ils ont plus dit America, non? Couramment, dans la rue, ils ont plus dit America, ok? Mais dans le langage écrit, ils ont plus dit, alors formellement, dans la, à l'université aux États-Unis, ils ont plus dit USA ou bien United States ou bien the States, ou bien United States of America. C'est le plus formel. Ok? In the United States of America, they speak English. Ou bien they speak English in the United States of America. Donc aux États-Unis d'Amérique, on parle anglais. On parle anglais aux États-Unis d'Amérique. Ok? Donc là, je fais partie de lui. Je parle des États-Unis. Contrairement à lui, il me dit en Haïti, on parle créole et français. Mais dans le contraire, quand je n'ai pas fait partie de lui, je ne suis pas américain. Teach Olesi n'est pas américain. Donc, de préférence, cette, maintenant, on a traduit cette fois-ci par they. Ok? They speak English in the States. They speak French and English in Canada. They speak French and English. Okay, they speak French and English in Canada. In Canada, they speak French and English. Okay, donc on parle créole, on parle français et anglais au Canada. Au Canada, on parle créole. Ah, au Canada, on parle français et anglais. Okay, maintenant nous avons fini à on, we, you, they. Et cinquième façon de traduire on en anglais, c'est it is plus en participe passé. It is plus participe passé verbe principal là. Verbe ou verbe parlé, quel que soit le verbe là. It is plus participe passé verbe là. You read ça, voix ça, il est voix passive ou bien forme passive, ok? Exemple, ça ne se dit pas. It's not said. S-A-I-D. Le prétérit est le participe passé du verbe to say. Ça veut dire, it's not said, ça ne se dit pas. It's not done, ça ne se fait pas. OK? It's not said, ça ne se dit pas. It's not done, ça ne se fait pas. OK? Donc, nous comprenons là, jusqu'à présent. Nous comprenons jusqu'à présent. Donc, nous avons toute façon, oui, traduit. Et dernière façon pour terminer, c'est les traduits. Alors, c'est sept, oui. Ni pas dernière façon, on dit sixième façon, hein, c'est people. People. OK? People. Donc, qui fait partie, qui pas fait partie, ou qui a parlé de people. Ça veut dire people là, il est censé synonyme, parce que synonyme veut dire même signification ou bien à peu près même signification. Donc, people, c'est synonyme, oui, c'est synonyme, they. Exemple, on parle anglais partout dans le monde. People speak English all around the world. On parle anglais partout dans le monde. People speak English all around the world. People speak English all around the world. People speak English all through the world. People speak English all around the universe. Okay? People speak English throughout the universe. Donc, on parle anglais partout dans le monde. Ouais, là, on fait partie du monde là. Là, on dit people, fait partie du monde là. Donc, people speak English in Haiti. People speak English in Haiti. On parle anglais également en Haïti. People speak English in Canada. People speak English in Jamaica. People speak English in the United States. People speak English everywhere in the world. Donc, c'est ça que je me dis. La people a traduit par... alors, on l'a traduit par people parce que je fais partie du monde là. Je fais partie du monde là. Et je suis haïtien. Je fais partie du monde là. Ça veut dire pays Pamna tout fait partie du monde là. Ça veut dire en Haïti tout, vous parlez anglais. Ou jeune monde qui parle anglais en Haïti. Comme teacher ici par exemple. OK? So people speak English all around the world. Ça veut dire English is spoken all around the world. Ouais? Donc ça c'est synonyme de it is plus participe passé. Nous te dit à l'air. OK? Donc on ne doit pas dire it is. On prend moi exactement parler de lien et puis m'utiliser à la voix passive ou bien à la forme passive. OK? Par exemple, we speak English all around the world. People speak English all around the world. Eh bien, English is spoken all around the world. Okay? English is spoken all around the world. Okay? Donc, maintenant, il y a une différence. Mais nous connaissons entre gen côté ou par exemple, gen côté au Canada, gen côté
en France ou bien à Paris ou en Allemagne également gen côté ouais pocho leur paraît ou entrer dans restaurant et pour pocho marqué parfois ouais marqué English spoken here, English spoken here, English spoken here. Bon on dit si m'a pas la réserve m'a dit presque tout allemand parle anglais. En Allemagne tous les allemands parlent anglais parce que qui parle anglais apprend facilement l'allemand et qui parle allemand apprend facilement l'anglais. OK, donc l'arrivé par exemple en prenant un pic drôle par exemple sont arrivés en France qui sont langue vernaculaire la langue vernaculaire de la français le français. Donc en français ou gen koto a passé ou après pocho écrit gen koto aller dans restaurant ou pocho écrit English spoken here, ça signifie ici on parle également anglais. Ça veut dire c'est comme si en d'autres termes on disait il y a des gens ici qui parlent anglais. Il y a des gens ici qui normalement qui comprennent l'anglais. Il y a des gens ici qui s'expriment en anglais, qui peuvent s'exprimer en anglais. Donc English spoken here, pas un verbe non, mais il est différent de l'ordi. Alors, il y a une différence entre English spoken here et English is spoken here. Donc, si vous avez une carte de si vous marquez English spoken here, ça veut dire que vous avez une carte de l'anglais en créole. Mais si vous marquez English is spoken here, ça signifie ici, on ne parle que l'anglais. Ça veut dire que c'est anglais seulement pour parler là. OK? Donc, il y a fait différence. Maintenant, la toute dernière façon, septième façon, il dit, il traduit on en anglais, c'est somebody ou bien someone. Somebody ou bien someone. Somebody ou bien someone. OK, donc la traduction généralement ne se fait pas littéralement hein? On traduit généralement les idées, les gestes, les sentiments. C'est ça que fait. Il y a plusieurs façons ça me dit exemple nous pas prendre là dit ce sont interprètes soit peut-être interprète ya hein, si me connais un pile interprète qui branché un pile traducteur branché. Attendez, nous apprendre ça les nous taper utiliser interprète ya ou bien soit étudiant toujours en interprète ya parce que moi même fait m'étais conformé étudiant en interprète ya longtemps de conformer anglais pour anglais et français hein, la traduction technique la traduction du français à l'anglais de l'anglais au français. Donc si nous étudions en interprète ya ou bien nous fini nous terminer déjà licencié quelque je sais pas, donc nous connais ça m'a dit très très bien somebody ou bien someone qui signifie quelqu'un. Me rappeler nous toute somme S O M toute son homme S O M E par exemple c'est O M E etc. Toute prononciation homme qui bail son homme exemple S O M E dictionnaire monte pour dire somme d'après transcription phonétique là et bien toute somme c'est somme toute comme c'est comme comme c'est O M E la prononciation c'est comme mais l'anglais sans accent est un jardin sans fleurs English without accent is a garden without flowers and speaking English without accent is watering a garden without flowers. Ça signifie parler l'anglais sans accent c'est arroser un jardin sans fleurs et l'anglais sans accent est un jardin sans fleurs. Maintenant l'autre dit comme c'est la prononciation comme c'est l'accent exemple come 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 hey come I need you come. OK, viens ou bien venez. Let me tell you something. Donc laisse-moi te dire. Donc l'anglais m'influence hein. Donc dernière façon c'est somebody ou bien someone qui signifie quelqu'un, nous connaissons déjà, j'en écris S O M E B O D U Y somebody ou bien someone S O M E O N E signifie quelqu'un littéralement mot à mot signifie quelqu'un. Donc someone signifie on également. Exemple. Si y a frappé dans porte pendant dans studio là, si y a frappé porte studio comme dans studio là gagne n'importe trois portes. Donc gagne trois portes là, si m'entendi a frappé dans porte là, porte principale là il peut me dire m'a dit on frappe à la porte, hein? On frappe à la porte, m'a pas dit somebody's knocking at the door. Somebody is knocking at the door. Donc, manek dit, somebody is knocking. Ou bien, someone's knocking. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. On frappe à la porte. OK? Donc, somebody is knocking, someone's knocking. OK? Donc, maintenant, si ma fond traduction, nous connaissons ça déjà, on apprend ça. La traduction ne se fait pas littéralement. Généralement, on traduit les idées, les gestes, les sentiments. Donc, si il y a plusieurs façons, si on a frappé porte là quand même, quand on dit somebody's knocking at the door, someone's knocking at the door, someone's knocking, somebody's door, ou bien somebody's knocking. Si on dit, par exemple, the door is being knocked.
voix passive. Présent continu. OK? Mais à la voix passive. Donc, the door is being knocked. OK? Donc, ça, même bagala, on frappe à la porte. OK? Donc, c'était tout ça noté. Il y a sept façons généralement où traduit on en anglais. OK? Donc, nous pouvons passer dans l'interaction 34 99 70 70, 42 99 06 76. On va proposer ça. Donc, si vous ne pouvez pas bien comprendre, on va poser une question. Janvier, en créole, français, anglais. On va prendre mon poser une question et puis m'a répondre. Aucun problème parce que ça va être un pile problème. Traduction de on ça pour nous définir ça. Un pile problème. Li bay. Donc, OK. La première personne à l'émission, Teacher Listy English Time. Hello. Oh, sorry. OK, il y a quelqu'un d'autre. Teacher Listy English Time, hello. Teacher Listy English Time, hello. Désolé. Alors, faut une technique, il y a une bonne technique pour jeune Lina, il doit faire appel parce que nous connaît. Alors, les BC Teacher Listy English Time grand pile appel, hein. C'est des milliards d'appels qu'a fait en même temps, donc ça veut dire faut qu'on comment pour faire appel ou pour passer vite, hein. Teacher Listy English Time émission pour là et puis mot de passe en passant bam courir dire parce que me connaît ça le pas bien temps pour me dire. Teacher Listy English Time, c'est ça me connaît. C'est émission pour là, mot de passe c'est The Spoken English Reference on YouTube. Teacher Listy English Time, hello. Teacher Listy English Time, hello. Oh, sorry, mes amis, t'es chargé. Oui, Teacher Listy English Time, c'est nos émissions à brancher ou à regarder là, moun ki fait brancher yo. Et puis, mot de passe, c'est The Spoken English Reference on YouTube. C'est comme je disais, la référence de l'anglais parlé sur YouTube. So, Teacher Listy English Time, c'est une émission qui passe sous Radio Télestorm chaque mardi et jeudi à l'heure ça, 3h, 4h. Depuis, il fait 3h, bang, ou brancher. Teacher Listy English Time, Radio Télestorm 106.5 et c'est Radio Storm et puis chaîne 2 c'est Télestorm. Donc Radio Télestorm, Teacher Listy English Time chaque mardi et jeudi 3 à 4 heures. OK? Donc le mot de passe encore une autre fois c'est The Spoken English Reference on YouTube, la référence de l'anglais parlé en Haïti. Donc je dis là notez ouais traduction de on notez ouais. Et comment on traduit nos différentes façons, sept façons de traduire. Donc, si vous n'avez pas de comprendre, on va poser une question. Si vous avez un contexte, on va poser une question. Donc, un peu de fois, on va prendre un bureau du secrétaire d'eau. May we help you? Ou bien, what can we do for you? C'est comme si c'était d'où, peut-on vous aider? OK? May we help you? Can we help you? Peut-on vous aider? OK? Donc, là, c'est on. OK? Quelqu'un d'autre? Teacher Listy English Time, hello. Teacher Listy English Time, hello. Vous allez parler trop bas. Oh, sorry. OK, Teacher Listy English Time, émission pour là, chaque mardi, chaque jeudi, 3h, 4h. Donc, nous avons fait jeudi à la traduction de on en anglais. Teacher Listy English Time, hello. Hello. Yes, sir. Happy New Year. Happy New Year, too. Thank you very much. So, tell me where you're calling from, please. I'm calling from Paco. Oh, calling from Paco. I'm sorry. I'm sorry to ask you this question. I'm going to ask you a very personal question, right? Are you used to calling here? Are you used to calling Teacher Listy English Time? I'm sorry? Are you used to calling Teacher Listy English Time or are you calling Teacher Listy English Time for the first time? I'm just calling for practice. Oh, you're calling for practice, but you're calling for the first time? No. Not for the first time. All right. Okay, that's nice. Okay, now tell me, are you watching Teacher Listy English Time or listening to Teacher Listy English Time? I'm watching you. You're watching me. Very good. So, do you have any questions? No. No. Okay, if you don't have any questions, let me ask you a question. Listen, how can you translate the impersonal pronoun on, French on, into English? I'm sorry? The French on, the French word on. How can you translate it into English? So what's the best way to say on in English? The French of on. I'm sorry? What's the best way? Sorry.
I'm sorry. I don't receive you well. I don't hear you well. Do you hear me well? Hello? I don't understand you. I'm sorry? I don't understand you. Oh, you don't understand me. I said, what's the best way to translate the French word on into English? What's the best way to translate it into English? The word on, the French word on. First word is? I'm sorry? Someone. What's the best way to translate it? What's the best way? The best one. What is it? I'm sorry. Okay, sorry. Okay, so no problem. Call again. I'll let you know the answer in a few minutes. Let me receive somebody else. A teacherless English time. Okay, so teacherless English time actuellement là, on a pu nous saluer tout le monde qui branche l'émission, en particulier madame qui branche la Kali. Nous saluer tout le monde qui branche là dans Radio Télestorm, ingénieur nous Balbito. Nous saluer ingénieur nous Max et nous saluer également sœur Saint-Hilaire, sœur Benjamin qui branche nous, qui suivent nous et nous brancher tout le monde qui branche nous dans pays à nous pas connaît et nous saluer tout le monde. Donc normalement nous dit Happy New Year hein, parce que c'est normalement objectif émission hein, c'est vous apprendre à parler anglais. Donc ça veut dire nous saluer tout le monde et n'abdou Happy New Year. So sous ka passé dans 34 99 70 70 ou bien 42 99 06 76. Donc ou a composé numéro ça et puis pour entrer en contact avec dans émission. Mais sous relo pas ka passer, pas décourager, mais yo dit me technique mais malheureusement pas ka bo technique parce que me pas connait. Mais si me te connait d'ab ba ou yo dit gon technique hein, ou carré les 10 fois sauvé. Teacherless English time. Gale gwo moun ki gen tan kon teknik an bigele. Teacherless English time, hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Okay, where are you calling from, sir? I'm calling from Jacket at TV. Oh, you're calling from Jacket. Okay, pretty good. Jacket in Pétionville, right? Yes. Okay, I know Jacket Toto. Happy New Year. Happy New Year. Thank you. So, are you watching or listening? I am watching you. You're watching me. Very good. So, are you watching me by yourself or with other people? Sorry. Teacherless English time. Hello. Oh, désolé. Croisement. Teacherless English Time, émission pour là. Et en passant, ma courrier, nous avons une nouvelle session. Midi 30, 3h30, chaque samedi, qui a commencé fin. Dernier samedi, c'est moi ça. Teacherless English Time, hello. Teacherless English Time, hello. Teacherless English Time, hello. Hello. Yes, sir. Okay, Happy New Year. Hello. Yes, sir. Happy New Year. Please turn down your receiver. Turn down your receiver, please. Hello, sir. How are you doing? Doing pretty good through God. How about yourself? So I just calling you so you can help me. Yeah, you want me to help you? Okay, no problem. So Happy New Year, just before. Happy New Year too. Okay, good. So what do you want me to do for you? What? Sorry? What do you want me to do for you? So you want me to help you? Uh-huh. Okay. I have a lot of trouble to translate very well when someone talks. I'm sorry? I have a lot of trouble to translate very well when someone speaks. Oh, you have a lot of trouble to translate. No, do not translate. You mean to translate what you mean while speaking, while the person is speaking, you're trying to translate into French? Or a quill? Sorry? Okay, listen. Are you an interpreter or you are studying interpretation or translation? So, I'm a student. Oh, you are a student. Okay, so now what's your problem? I've just studied it.
Okay, which means when the person is speaking Creole in English, so you have difficulty translating what the person says in French or in Creole? Yeah. In French or in Creole? So, I don't hear you. Oh, if you don't hear me, you have to call back. I'm sorry. Okay, let me say it again. Yeah. Do you have difficulty translating what a person says or is saying in English into French or into Creole? Oh, okay. Thanks. Huh? Oh, tell me your problem exactly. Donc, ou gen problem, ou gen ou mal... Okay, listen. I'm sorry. Hello? Hello? Okay. Ça veut dire ou gen problem non mon ap palangé pou traduire en français ou bien en anglais? In French. Why? Tell me why. Why do you need to translate what the person is saying in French? Huh? Yes. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de traduire ce que dit la personne en français? Hmm? Attendez bien. Pour qu'il soit besoin de traduire ça, mon nom dit en français. Pour qu'il soit besoin de ça? Hein? Ça me dit exactement. Oui. C'est que yo moun ka parle avec moi. Mon temps de salpia en anglais, oui. Oui. Pour traduire exactement salpia. Ah, pour traduire exactement ça, il dit, y a un problème? Ouais. Ah, mais non, mais si vous avez un problème pour traduire ça, il dit, ça veut dire qu'on y a là, pas comprendre tout? Non, moi, des fois, je comprends, mais des fois, on a parlé trop rapide. Des fois, on a parlé trop rapide. Pourquoi il y a des gens qui parlent vite vraiment? Ça va pas, mon n'a pas parlé de parler vite vraiment, non? Sur question d'accent, avec peut-être ou un problème listening, et puis ça qui arrive, tout un problème vocabulaire. Si tant que c'est ton job traduction, t'as fait, peut-être, n'est qu'à dire bon là, ok, ou manquer vocabulaire. Ou bien, même si c'est pas écrit, tout à fait, le cas du manque de vocabulaire, est-ce que vous comprenez ça, M. Julien? Mais si tant qu'on a parlé trop vite, ou pendant ou dit parler trop vite, ça veut dire son problème d'oreille, audition gain. Pas vrai? Hein? Ah bien, ok, d'accord. Mais si c'est problème, soit gain, problème d'audition, viens dans OEA, nous gain remettre pour oreille. Viens dans OEA, et puis nous gain remettre pour oreille. Et c'est spécialité dans OEA. Quel que soit, blanc oh, parler, on suppose comprendre. Ok? Oui, chaque qui le fonctionne même. Nous gain spécial, nous gain spécial. Actuellement là, bon, mon corps parle, ou gain tient en guerre déjà, ou kavin dimanche après-midi, si ou gain 3 heures pour 6 heures, parce que li gain 3 mois, kou sa, et groupe sa gain 3 mois. Donc, si ou gain tient en guerre déjà, j'en mou parle là, ou commence par les dégager, ou kavin la donne, va y niveau 1 lié, sauf que li gain 3 mois. Donc, ou kavin nan dimanche après-midi, 3 heures, 6 heures. Ou kavin tout nan jeudi matin, tant qu'au matin là, 9 heures pour midi. Ou kavin nan samedi, 9 heures midi, ça fait commencer. Samedi, 9h midi, il commence en novembre, je crois. Ou Kavin dans ça, à peine commencé novembre là. Vous comprenez? Donc, ou Kavin là dans tout, parce que nous pas travailler tout décembre là, et c'est son mois et demi de travail. Donc, ou Kavin dans ça. Samedi, chaque samedi, 9h pour midi. Ou Kavin tout dans chaque lundi, 4h30 pour 7h30. Ok? Chaque lundi, 4h30 pour 7h30 après bureau. Lorsque vous travaillez, ou Kavin, ou passez, ou vin pointe en gros. Chaque lundi, 4h30, 7h30. Oh. Et puis, chaque vendredi, ou vin dans pratique, 10h pour midi dans matin, sous gintan, sous bagintan dans matin, ou vin dans après-midi, 4h pour 6h. Chaque vendredi. Ça fait 5 heures de temps pour semaine là. OK. Donc inquiétude ou pas besoin gagner. Pardon, oui, ou Kavin dimanche 3h pour 6h qui commence nous qui gain 3 mois comme ou pas à zéro. Qu'on dit mon yo. Moun pa kon a zéro vrai, non? On a proprement parlé. Mais Jean mon yo kon di a ou pas à zéro en anglais, non? More speak quand même, more speak quand même. Hmm. Qui fait votre demande? Est-ce que tu as dormi en demi-bout? Les amis, on va faire mon travail, mon frère. Ok, on met vini. Bam non. Et staff la penche, la aptando na ouya. Y aptando met bam non, y aptande non, y apnotel. Et puis l'on vini. On met vini après-midi avant 6h ou bien demain si Dieu veut. À partir de 7h du matin, pour 6h après-midi. On met bam non, y aptande, y apnotel. L'on vini. Et puis. Ou pas n'existe ou même qui te relia ou c'est tel et tel, y a songe non et puis y a gade non et puis y a bo demi bou. Ça pas gen problème ou met vini. Ok, c'est boué ou t'en l'éke avant. Non, ma baoul, pas gen problème. Ma baoul demi bou sur tout frère. Même sur les frères d'inscription, ma baoul. D'accord. Bah, très spécial, ok? So I thank you for your understanding. No problem. Just tell me your name.
Anik Dimnoa. Yes. Tell me your name. May God bless you. Okay, tell me your name. Yes. Ou met bam nou an, pas yo aptande ou. Yo aptande ou, yo branche aptande. Yo ap suiv. Oh oh, bon, te chaje. La toute dernière personne à l'émission, m'a pris mon encore. The very last Friday of the show. Hello, teacher listen English time, hello. Teacher listen English time, hello. Hello. Oh, hello. Yes, sir. Where are you calling from? Happy New Year. Happy New Year, teacher. Okay, yes, that's Teacher Lacey. Okay, so where are you calling from? I'm calling from Criswa. Criswa, very good. And you calling? Are you calling to ask a question or are you calling for practice? For practice. You're calling for practice. Okay. A very easy question. What's the best way to translate on the French word on into English? I can say one. The best way, the best way. The best way? Yeah, the best. On. What is it? Huh? Come on. No, that's not it. So there's no best way. Pull up mon kite branché ou pas gen best way, pas gen meilleure façon pour traduire, okay? Yeah. Ok, façon qui plus courant. Ok, façon qui plus courant, je traduis en anglais qui plus courant, c'est you. Ok, mais pas une best way. Best way, c'est une meilleure façon. Donc, il n'y a pas de meilleure façon. Alright? No best way. Ok, yeah. So the most common one is just you. That's all. Ok, no best way. Thank you for calling, sir. Goodbye. And catch you next Tuesday, next week, next Tuesday, right? Sorry. Sorry. Hello. Hello. Mes amis, oh, Monsieur Gintali. Okay. Teacher this English time. Jean Dinois, n'a pas de nouvelle session chaque samedi, midi, 33h30. Kap commencé, m'a rappelé m'a date là. Et dernier samedi, moi ça. Et mesdames, yo kap songe ça dans l'école là. Administration, secrétaire, yo kap songe ça. Mais moi, m'a songe date là. Okay. N'a pas un dernier monde ça, ingénieur. Un peu dernier monde ça. Teacher this English time, hello. 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 Okay, so happy new year. Good afternoon. Good afternoon, sir. Happy new year. You too, happy new year. All right, thank you. So where are you calling from? I'm calling at Delma 19. Okay, I'm calling from Delma 19. Yes. Okay. And you. Okay, I'm sorry. And you say, and you. I'm on TV right now. I'm also at Delma 19. You to help me. Oh, you want me to help you? What do you want me to do for you? What do you want me to do for you? I want to speak English like you, man. Oh, you want to speak English like me? If you want to speak English like me, do you know all this English Academy? Can you help me? Yeah, I can help you, no problem. What do you want me to do help for you? How much way you can help me? Okay, what do you want me to do for you? Do you want a discount? I want to become a student. I want to become your student. Okay, no problem. So, do you know all this English Academy? Do you know OIE? It's a few steps from Delma 19. C'est à quelques pas de Delma 19. OEA. Hein? À quelques pas du Carrefour. Tell me the way. OEA, all this English Academy, c'est à tout près du viaduc du Carrefour de l'aéroport. I need a bus. Oh, I need a scholarship. You need a scholarship. No. You can't help me? No, you can have a scholarship, but you can have a half scholarship. Une demi-bourse. Oh, I don't have enough money to pay. I'm calling. Okay. Bam no. Met bam no. Dino. Ronald, jamais Ronald Dino. Okay. Ronald. Moi-même l'anglais appelé. Okay. Comment est-ce?
Jamais Ronaldinho. Ok. Mesdames, vous branchez. Ronaldinho est très populaire. Et vous attendez, vous notez. Vous mettez à côté. Vous êtes intelligent tout. Pas de problème. Bon, vous mettez à aller et n'a pas de café pour vous. Même si ce n'est pas pour ça, nous. Parce que c'est pour ça difficile pour nous. Oh, maman, malheureuse, Bilou. Hein? Ça va exister. Ça va exister. Vous mettez passé. Vous mettez passé. Vous mettez passé demain, si Dieu veut. Ou bien plus tard, là, avant 6 heures, mettez à aller. Qu'on y a? Non, ou est à café ou quoi? Yes, vous mettez à aller. Ok, no problem. Allez, Konya là avant 6 heures, ok? God bless you. Ok, God bless you too. Thank you very much. Goodbye. Thank you for watching. Thank you for tuning in. Thank you for listening. Thank you for watching. That's all for today. So let's call it a day. Teacher List English Time, your favorite English broadcast and your favorite English professor. So that's the mystery. The mystery. It's the mystery. Radio Telestorm is a mystery. Channel 2 is a mystery. 106.5 is a mystery. Sorry, m'pap ka pran appel encore. Mardi prochain, si Dieu le veut. 3h 4h. Chaque mardi, chaque jeudi 3h 4h. Au revoir. Bye bye. God bless you.